Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire des petits aimants à frigo. Voilà, les petits aimants à frigo que j'avais eu en partenariat avec la boutique DP Club. Donc je vous mettrai évidemment le lien des aimants en barre de description, ainsi que le lien du site et mon code promo de 15% que j'ai sur cette boutique. Donc on va faire la petite préparation simple comme d'habitude avec ce genre d'objet. Je vais utiliser également mon beau stylet doré que j'avais eu également en partenariat avec cette boutique. Donc il était au prix de 2,79€. Et les aimants, forcément je viens de vous dire, mais c'était 7,79€. J'ai pas fait la traduction en euros, mais du coup je vous mettrai le lien en barre de description. Bon, ça doit être dans les 7€. 7€ les aimants, et voilà. Et avec, je vais utiliser ma parquette de la boutique 3D Art RL bicolore, mon étoile, et j'ai pas pensé à le prendre, je vais chercher tout de suite. Voilà, c'est mon stylet spécial diamants spéciaux que j'avais eu en partenariat avec la boutique Ibroderie Diamant. Donc vous avez un embout très fin et un embout en cire. Donc cet embout là sert pour les gros diamants spéciaux, pour les prendre et les placer. Et cet embout, vous pouvez mettre de la wax ou de la cire pour vous en servir comme stylet normal, mais je m'en sers principalement pour bien replacer, bien appuyer les diamants spéciaux, puisqu'on ne peut pas appuyer avec cet embout là, ça le casse. Voilà, donc maintenant que je suis équipée, on va mettre les aimants de côté, on va préparer les diamants. Donc les diamants spéciaux sont dans des sachets zip. Donc on va les laisser dans les sachets zip. 8, 9, 11. Et donc le reste, ce sont des cristals, des diamants en cristaux. Des diamants spéciaux classiques. Donc le numéro 1. J'utilise mes petites boîte pilulier que j'avais eu chez Action il y a très longtemps, que j'utilise uniquement pour faire mes objets spéciaux. Et comme d'habitude, je mets n'importe où, n'importe comment. Hop, ça en a mis partout. Numéro 1, c'est bon. Numéro 2. Et bien sûr, je mets dans ma petite poubelle ourson les petits déchets. Ça, c'est dans un autre partenariat. Donc, là, je suis sur la boutique DP Club. Boutique chouchou en passant. Voilà. Une de mes petites chouchous. Ouais. 3, c'est bon. 4. Je vous montrerai au fur et à mesure. Hein. On va pas toutes les faire évidemment dans cette vidéo. Mais je vais essayer d'en faire au moins une avec vous. Un ou deux. Alors 5. Et un petit transparent. Alors, eux, ils ont l'air poussiéreux par contre. Ils ont l'air poussiéreux, ces diamants. Ces diamants spéciaux ont l'air poussiéreux. 6. Alors j'adore parce que là, il y a 8 compartiments. Et généralement, dans les objets spéciaux, il y en a 7 ou 8. Donc c'est vraiment parfait. Alors, j'ai tout mis à côté. Mais je fais n'importe quoi là. Là, là. Voilà. Et numéro 7.
couleur coca. Voilà. Vous voyez, la préparation, hein, franchement, c'est très très rapide. Et donc après, j'ai 3 diamants spéciaux. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, il y avait combien de modèles dans ce lot? Parce que c'est un lot, hein. Alors, vous aviez 3 thèmes différents. Bon, moi, j'ai pris alimentation. Vous aviez animaux et vous aviez thème Noël. Donc, il y avait le petit cocktail. L'espèce de petite boisson. Voilà. Les frites. Et le burger. Voilà, ça fait un peu fast-food alimentation. Donc, il y en a 4. Donc, j'avais dit que le petit inconvénient avec ces aimants, c'est que ça faisait... quand on frottait, ça faisait noir. Ça salissait un peu les mains, mais je pense que c'est la matière qui est comme ça. Donc, alors, je vais choisir avec vous le burger. J'ai envie de faire le burger là. Ça m'inspire. Sachez que c'est les mêmes diamants pour tous les aimants. Alors, vous avez une petite protection. Voilà, à enlever. Donc, vous n'avez qu'un côté à aimanter, forcément. Et donc, on va commencer. Alors là, il n'y a pas de numéro 1 sur ce burger. Donc, on va commencer par le numéro 2. Donc, le jaune. Et là, on va prendre le stylet normal. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. J'espère que vous verrez mieux. Et c'est parti. Donc c'est le numéro 2. Alors, il faut bien mettre en face puisque en fait c'est pas là où on colle que ça a été imprimé, c'est vraiment en dessous. Vous avez une épaisseur entre l'endroit où vous collez et l'endroit où ça a été imprimé. Donc ce que je vais faire, c'est que là je commence avec vous le numéro 2 et après je mettrai pause pour que vous puissiez voir les autres couleurs. Sinon là, vu le nombre de numéro 2 que j'ai à poser, sinon ça va vous prendre trop de temps pour votre vidéo. Vous verrez qu'une seule couleur, donc c'est pas intéressant en soi. Donc je vais mettre pause et à tout de suite. Voilà, j'ai fini le numéro 2. Par contre, j'en ai plein, alors je sais pas si vous allez voir, ils sont moins brillants, ils sont floutés, j'ai envie de dire. Celui-ci, il est flouté, ceux-là là, ils sont floutés, et d'autres ils sont bien brillants. Alors il y a des petits mélanges de couleurs, exactement, et il y a celui-ci qui est mal fait. Il y a beaucoup de flou par rapport aux autres, et ça me dérange dans le sens où c'est les mêmes diamants pour les 4. Donc, je suis en train de me dire, oh oh. À moins qu'ils sont flous parce qu'ils ont l'air poussiéreux. Là, les orangés, ils ont l'air beaucoup mieux. Je veux dire, ils ont l'air plus réguliers. Alors, si c'est que jaune, je vais essayer de mettre que des floutés sur la même, le même aimant pour pas que ça fasse trop de différence, j'ai envie de dire. Donc là, je fais le numéro 3. Donc le numéro 3, c'est pareil, il y en a quand même pas mal sur l'aimant. Donc je vais commencer avec vous. Et je vais mettre pause ensuite pour pouvoir le finir, cette couleur, hors caméra, pour pas que ça fasse trop long. Donc là déjà, ça dépasse un peu, ça me chiffonne aussi. Ça dépasse de l'aimant. Je pense que niveau finition, il doit y avoir à revoir quelque chose. Parce que c'est pas top top comme produit, franchement.
Symboles sont à moitié coupés là pour faire la forme, donc ça me plaît pas trop le fait que les diamants dépassent un peu du produit, enfin de l'article. Donc essayer de pousser un peu. J'ai peur que après ça se, je vais être obligée de l'encoller hein, parce que si ça dépasse de trop. Je vais pas pouvoir le laisser sans en coller quoi. Donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. Je suis contente, je fais enfin mes petites. Je prends enfin le temps. Voilà, c'est différent. Je prends enfin le temps de faire mes petits aimants, parce qu'on en a grand besoin. Tous nos aimants de frigo sont cassés ou abîmés ou voilà, ou sont pas assez forts pour aimanter. Donc plusieurs fois mon mari m'a demandé bah, quand c'est que tu fais ta vidéo pour qu'on puisse les utiliser. Je lui ai dit attends, et puis là ça y est, c'est enfin résolu, je veux au moins en avoir un de fait. Donc tout le haut du burger est en numéro 3, donc je vais mettre pause et je vais avancer ça de mon côté. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec les trois premières couleurs. Voilà, donc là on va faire le numéro 5. Donc c'est le transparent. C'est tout ce qui se trouve en haut du burger. Je ne sais pas ce que ça représente. La sauce peut-être. Ouais, je pense que c'est la sauce. Alors, ah oui. J'allais dire ça colle plus, mais ici j'avais déjà un diamant au bout du stylet. Donc ça doit être la petite sauce qui est par-dessus la salade. Et franchement, ce support, l'aimant à frigo, c'est la première fois que je le voyais dans une boutique. Dans une boutique partenaire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de vous le faire découvrir. Alors désolé que c'était pas non plus tout de suite, j'ai fait la vidéo mi-janvier. Donc j'ai pas, vous ai pas fait le retour tout de suite, mais le temps passe super vite. Donc là ça y est, je vous tourne enfin cette petite vidéo. Donc ça va, c'est pas non plus 6 mois après, j'ai envie de dire. Hop. Là, vous l'auriez vu entièrement, cette pose du numéro 5. Parce que le numéro 6, c'est la salade. Et là, je vais mettre pause pour pouvoir vous épargner trop. Pour pas que vous ayez une trop longue vidéo. Donc là c'est du vert hein, sans surprise. C'est pour faire la salade. Par contre je vais essayer de remettre de la cire rose, c'est pas grave. Hop. Et voilà, c'est parti pour le verre. Pour faire une belle salade. Franchement, je kiffe les burgers. Avec la pizza, c'est mes plats préférés en fait, les burgers et les pizzas.
J'adore. Et puis, je trouvais ça tellement original. Donc, là, je vais voir quand j'aurai fini les quatre. Et peut-être que je prendrai les autres petites collections d'aimants. Comme ça, en plus, c'est pas des petits aimants, hein, c'est quand même des grands aimants. Pour mettre des feuilles bien sur le frigo. Nous, on aime bien mettre les choses importantes sur le frigo. Donc, je pense que je vais prendre les autres lots dans un prochain partenariat s'il y en a. S'il y en a un. Mais voilà, je kiffe le faire. Franchement, c'est très agréable. Ça se met plutôt bien et je peux vous dire que ça colle. Donc en fait, finalement, je ne sais pas si je vais en coller. Je pense pas. Ça me faisait un peu peur pour le dépassement, mais là, en fait, j'ai repoussé un petit peu et ça a l'air de bien tenir. Donc franchement, je verrai avec le numéro 7, là, le steak haché. Je verrai si ça se chevauche pas trop les diamants, mais sinon je l'en collerai pas hein, parce que ça colle super bien. Je suis même restée coller mon doigt tout à l'heure. Donc voilà. Donc vous voyez, ça se met tellement bien que j'ai même pas pensé à arrêter la vidéo pour vous épargner tout ça, mais finalement ça va très très vite. Ça va très vite à faire. Bon, évidemment, on n'en fera qu'une dans la vidéo. Je ferai tout hors vidéo et je vous referai au pire une petite revue dessus pour vous montrer les quatre terminés. Donc là, par contre, je vais faire le numéro 7. Donc, c'est couleur coca pour faire le steak haché qui se trouve sur le bas de l'aimant. Donc là, par contre, je vais mettre pause pour que je puisse le faire hors caméra et on se retrouve pour les diamants spéciaux. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Hop, il reste plus que les diamants spéciaux, donc pour faire les tomates et pour faire les petites graines qu'il y a généralement sur le dessus du pain. Et donc on va faire le numéro 9. Donc le numéro 9, c'est dans un petit sachet. Donc là, c'est des beaux yeux de chat rouge irisé avec des facettes. Et ça fait un peu rouge, rose, jaune. Voilà, et je vais prendre mon stylet. Hop, pour le prendre directement et le déposer. Et prendre l'autre côté pour bien appuyer. Ah, là, il y a un petit excroissance. On ne va pas l'utiliser, on prend vraiment les plus beaux. Hop, voilà. Il y aura de belles tomates bien colorées. Donc voilà pour les petites tomates. Voilà. Et donc pour le numéro 10. Numéro 10, c'est des numéro 10. Je n'ai pas de numéro 10. Ah, il manquerait un 9. Il manquerait un diamant, une sorte de diamant. Ah, le 11, c'est celui-là. Et ben, il me manque des numéros 10. Ah, ben alors ça,
Ça va pas le faire. Donc le 11, c'est un gros diamant comme ceci. Et alors le numéro 10, j'en ai plus. Enfin, j'en ai pas. Ça me dit pas. Et puis en plus, vu la couleur, il y en a d'autres. Et ça peut pas être le numéro 9, puisque le numéro 9, il y en a d'autres aussi sur d'autres aimants. Mais à mon avis, il manque le numéro 10. Donc le numéro 10, ça doit être des petits yeux de chat. Bah écoutez, je vais aller voir dans mon stock de diamants spéciaux si je peux pas remplacer. Mais je ferai part de ce manque de diamants spéciaux à Dépic Club. J'espère que si vous avez commandé, vous n'avez pas eu cet oubli de leur part. C'est vrai que j'ai pas. C'est vrai que j'ai, au déballage, je n'ai pas vérifié le nombre de diamants spéciaux. Chose qu'il faut faire. Donc je reviens. Alors, me revoilà. Alors, je suis embêtée parce que malgré que j'ai un gros stock de diamants spéciaux, j'ai trouvé ce qu'il me fallait en fait, c'est ça. Mais hélas, je n'en ai que 4. Je n'en ai que 4 en stock. Alors j'ai trouvé un peu l'équivalent, mais c'est plutôt des gouttes et c'est plus petit. Donc en fait, je vais essayer d'alterner ça et je vois que je vais peut-être pas en avoir assez. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, j'ai le bon nombre, heureusement. Mais ça va pas donner pareil. Donc, je vais essayer de me contenter de ça. Mais ça m'embête fortement, en fait. C'est la première fois qu'il me manque. Puisqu'en fait j'ai pas je n'ai pas sorti les diamants de leur emballage à part pour vous faire la vidéo et je fais bien attention de rien perdre et je n'ai pas retrouvé de diamants spéciaux spécifiques voilà. Donc d'où l'importance de garder vos diamants spéciaux quand il vous en reste puisque ça peut vous servir. Donc, je vais essayer de faire le burger avec les grands. C'est ça que j'aurais dû avoir en forme de yeux de chat. Donc, je vais concentrer les gros sur le burger. Ah, c'est dommage. Franchement, je suis trop dégoûtée. Et là, faut pas que j'en perde un, puisque en fait, c'est vraiment. J'ai vraiment le bon nombre. Donc, heureusement, je les ai gardés. Même si ça ressemble pas du tout. Même si c'est pas la bonne forme, ça fera toujours l'effet. L'effet jaune. Alors, je vais pas le mettre dans ce sens là. Voilà, je vais le mettre dans ce sens là. Et là, ça va être comme ça. Donc, ça se voit pas trop à l'œil nu que j'ai modifié. En fait, normalement, ça devrait être des grands yeux de chat comme ceci. Mais les trois du milieu, voilà, c'est plutôt des gouttes. Donc visuellement, je suis contente, ça se voit pas trop. Et les autres, je vais mettre ceux-là aussi. Et voilà. Donc ça me... Je suis trop dégoûtée, enfin, parce que c'était trop beau. Voilà, donc voilà pour le premier. Je ferai évidemment les trois autres hors caméra. Et je vous ferai une petite revue sur les aimants. Pour vous montrer vite fait ce que ça donne
les 4 terminés, puisque là j'ai pas le temps de les faire tout de suite, donc je peux pas vous mettre sur pause et les finir. Là le temps, il est temps que je mange pour aller travailler ensuite, donc là je peux pas vous faire dans cette même vidéo. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je suis trop dégoûtée qu'il me manque un diamant spécial. Je vais quand même faire remonter l'info à DP Club pour que les prochains ne soient pas embêtés. Prochaine personne à acheter ce kit. Sur ce, je vous redirai des nouvelles, voir si ils me les envoient ou pas. Mais après, je leur dirai que c'est pas nécessaire, je me suis débrouillée. Mais voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!